Aujourd'hui, 5 exercices pour être meilleur dans votre anti-spin. C'est à vous. Mon poi vient de ce côté-ci, comme vous voyez, et mon bras va faire le contraire. Ça donne un anti-spin. Maintenant, 5 choses que vous pourriez travailler pour améliorer votre anti-spin. Premier exercice, chose importante. Mon poi tourne toujours d'un côté à l'autre, et ce, pour la totalité des autres exercices aussi. Donc, mon plan, il est ici. C'est comme si je suis en plan de roue ici et que le poi doit tourner là. Premier exercice, mon bras est droit et j'essaie de tourner. C'est tout. Doucement. Si vous voyez qu'il y a des endroits que vous accrochez, mettons c'est ici là, je le sens moins, mon poi n'est pas exactement dans la bonne direction. Ils vont un peu tout croche. J'essaie de le ramener doucement. Vous voulez vous habituer à tous les endroits, à tous les positionnements que votre bras pourrait avoir, sans changer le plan de votre poi. Prochain exercice, la boîte. Vous voudriez peindre avec votre poi chacun des côtés. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Diamant. Troisième exercice. Mon objectif, aller pointer avec mon poi à 4 extrémités. En bas, en haut et les deux coins. Hop, 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 hop. Pour ce faire, quelques petits trucs. Commencez doucement. Côté up, côté down. Côté up, côté down. Si vous êtes capable, vous allez faire vos 3, vos 4, etc. Commencez pas par essayer d'y aller rapidement et là, vous allez vous encombrer, pas faire exactement le bon exercice. Doucement, 1, 2, 3, 4. Oui, super. Je reviens toujours à mon point central. Quatrième exercice, la cricket run. Le poi va passer, pointe, et hop, et je recommence ici. Et montez. Passez devant le nombril, montez. Passez devant le nombril, montez. Passez devant le nombril, montez, etc. Le dernier exercice pour l'anti-spin. Je reprends ma boîte, monte, et descend. Naturellement, votre objectif va être de commencer à penser comment tourner. Je suis ici. Hop. Maintenant, c'est le temps de refaire les mêmes exercices. Voici quelques options que vous pourriez tenter. À deux poils. Hop. La cricket wrap, monter, redescendre de l'autre côté. Vous pourriez tenter de faire en plan de roue la boîte de chacun des côtés. Sur ce, je vous souhaite une agréable fin de journée. Prenez du temps pour vous. Je pense que vous le méritez. Nous méritons tous un tout petit peu de s'occuper de nous. Pour moi, les poils, c'est une façon de le faire. Ça me fait du bien. Et tout simplement, amusez-vous.